Petit quiz. Lequel parmi ces trois maîtres du sex appeal est Michel Robichaud? Lui ou lui? Les trois. Mais c'est de lui que nous allons nous farcir une bonne dose de sa face pour que sa face fesse dans les souvenirs récents de nos cerveaux fissurés de fascinants faisceaux de phosphorescents. Puis, Popette, t'aimes ça la stratégie martelage de sa face? Oui, c'est bien. En plus, ça coûte pas cher. Copier-coller. Salut, les gars! Hey, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ben, je sais, au lieu de prendre des détours, on peut me montrer la face tout de suite. Le monde n'est pas prêt à te voir encore, Michel. Ça, le monde n'est pas prêt. Dégage. Comment ça, c'est? T'es pas bien bien télégénique. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que t'es laid à ta télé. Mais non, pas tant que ça. Là. Tu fais peur au monde. Mais je fais pas peur au monde. Moi, en tout cas, je suis plus beau que toi, c'est sûr. C'est des petits détails, tu sais. Faudrait qu'on te maquille un peu puis que t'arrêtes de te couper les cheveux toi-même. Je me coupe plus les cheveux moi-même, mais c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que t'es pourri pour te couper les cheveux, mets ta tuque. Ah oui. Ouais. Genre, tu fais pas une carrière avec des cheveux. J'ai une idée. Je ferais peut-être mettre ma perruque de Gisèle. Non! Bon, c'est une idée. Débranche-le, Popette. Non, débranche-moi pas, là. Non. Mais pensez-vous qu'il l'a mal pris? C'est ton problème, ça, c'est pas le mien. Ah, il va s'en remettre, Mais n'empêche qu'il a quand même un peu l'air taquin avec la perruque de Gisèle. Non! Gang de débutants. T'es doux.